Salut Titania, bien le bonsoir à vous, bien le bonsoir à tous. Salut Darken Rally, bienvenue sur ce live où l'on va faire des miracles. Oh putain, dès le début de la run ça va être l'enfer. Mais bon, je le fais, j'ai envie. Hey Luvic, bien le bonsoir à toi. Castor Gourmand, bien le bonsoir. Salut Andrews. Bien le bonsoir à vous tous et à toutes. Bien le bonsoir Will. Dark Souls 3. Toujours. Toujours. Bien le bonsoir Zocadris. Oh là là. Incroyable. Unbelievable. Aujourd'hui, run miracle uniquement. Je rappellerai les règles dans un petit moment, juste le temps de la cinématique, tout le bordel. Mais d'abord, comme d'habitude, comme d'hab, nous allons charger la partie. Leonhard 5. Lui qui aura prouvé que finir le jeu à la dague, finalement, c'est plutôt facile. Avec un coca, c'est encore mieux, Arito. Avec un coca. Leonhard 5, nous te faisons nos adieux. Ce fut magnifique de pouvoir jouer avec toi. On a fini le jeu en 2 lives. Wow. 2 lives, quoi. Ah bon. Leonhard 5, adieu. C'est la fin. Entre Leonhard 5 est mort, la run à la dague est terminée. C'est toujours un moment difficile. Belle partie. Yes, indeed. Arthas Demon, salut. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north. Run miracle égale roi sans nom, on va bien rire. J'ai déjà une bonne idée de comment je vais le faire. Ça va être la merde. Dans tous les cas, ça va être la merde. The fire fades, and the lords go without. Oh, le coca, mais c'est supérieur à tout, mais arrêtez. Eh ouais, Leonhard 6. Ça prouve à quel point on fait trop de run à challenge. T'imagines qu'il y a encore pas si longtemps, on faisait même pas encore trop de run and challenge, quoi. Il y a que quelques mois, quoi. Merde. When the link of fire is threatened, Azuria, salut. Oh, damn. Eh oui, Okami, run miracle. J'ai très envie. Isayoi, salut. Le sein des profondeurs, qui ressemble absolument à rien. C'est qu'un tas de morphes dégueulasse, dégoulinant. Et il pète la méga classe. Oh que oui, il pète la classe. J'ai déjà une idée de la prochaine run. Comme je le dis, c'est une run sur deux. Il y a une run, j'en chie énormément, comme celle-là, je vais bien en chier. Et la run d'avant ou d'après, c'est une run un peu plus cool, tu vois, c'est une sur deux. Mais la prochaine, j'ai déjà une idée. Ne vous inquiétez pas. Ça se trouve, on va en chier, hein, j'en sais rien, mais je sais déjà ce que je veux faire. Edel, salut à toi. Ah, la run miracle, ça va être la merde au début, hein. Ça va être la merde. Mais complètement, Edel.
ça va être vraiment affreux. Mais bon, on souffrira tous ensemble, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Akaren, salut. Bien le bonsoir, Drake Knight. Bien le bonsoir, Drake. Guillaume, moi, ce que j'aime surtout pas, c'est que... Enfin, c'est un pourrisseur de run at challenge, quoi. Le truc, il a 28 000 PV en NG. Tout va bien. Léonard 6 de la lignée de Léonard 5, Léonard 4, Léonard 3, 2 et 1. Précurseur. Waouh. Alors, visage préétabli. Non, morphologie, non. Attends, apparence. Charger un favori. Ah. C'est bien, ils se ressemblent tous. C'est bien, comme ça, on se fait pas chier. Ah, putain. Alors, en vrai, les miracles font tellement mal que tu vas pas trop galérer. Alors, soit... Enfin, on a peut-être pas dû jouer au même jeu. Hein. Les builds miracles dans Dark Souls 3, c'est vraiment de la... c'est de la crotte, quoi. Et en plus... Si certains ne se souviennent pas comment on fait pour débloquer certains miracles, c'est des serments, c'est des trucs trop chiants. Ah putain. Oh non, ça va être vraiment la merde, quoi. Alors du coup, bah, on va commencer clair, hein, avec cette magnifique tenue. Dieu que c'est moche. Alors évidemment... Le meilleur choix se porterait sur l'anneau de vie, je pense. Tout le reste, je vois absolument pas à quoi ça me servirait, franchement. Ce sera l'anneau de vie. Voilà. Allez. Ah. Parti. La run miracle. 6 fils, jamais de fille. Ah, il a pas de peau. Hein. Ou il en a, justement, je ne sais pas. Léonard le Saint, tout à fait, tout à fait. Arthas Demon, Raven, tu en es où dans Monster Hunter? Écoute, depuis dimanche dernier, je n'ai pas du tout joué à Monster Hunter. Non pas que je ne le veux pas, juste que j'ai absolument pas eu le temps. En fait, je voudrais vraiment avancer sur le speedrun commenté. Oui, je sais, on pourrait croire que je prépare un truc de fou et il n'en est rien, c'est un speedrun commenté classique. Mais j'ai juste tellement pas le temps de bosser dessus. Je voulais l'enregistrer le week-end dernier, j'ai pas pu. Ce week-end, comme bah, j'ai travaillé vendredi, j'ai que 2 jours de week-end. Ce matin, je fais bah, je fais mon ménage. Après, je suis allé me faire couper les cheveux. D'ailleurs, couper les cheveux. Début de calvitie Draven. Hein. Voilà, team grand front qui commence à arriver. Je sais même pas si j'arriverai à la trentaine avec des cheveux encore sur le haut du crâne, mais tout va bien. Du coup, non, franchement, j'aurai encore pas le temps d'enregistrer ce week-end le... Speedrun commenté, donc c'est la merde, ça va encore repousser d'une semaine, c'est cool. J'aime bien être en retard comme ça, ça me plaît. Ok. Amnésiac, salut. Et le bonsoir, Ganji. Ouais, c'est ça, c'est les golfs RIP. Ça fait déjà un an, je commence à avoir des bonnes grosses golfs dégueulasses au niveau des cheveux. Et là, maintenant, je remarque que, tu sais, je me disais, mais attends, mais mes cheveux... Enfin, j'avais pas un aussi grand front avant. C'est quoi ce bordel? Je pense que ça se voit bien sur... si je pense que vous le suivez. Lobos Junior, il avait posté il y a pas longtemps une photo de lui où il s'était fait couper les cheveux. Et c'est exactement ce qui est en train de m'arriver, tu vois, c'est... Le front qui commence à s'allonger, tu fais c'est quoi ce bordel? Oh putain. Oh. Merde, je suis gouré. Désolé. Pas voulu. Du coup, c'est ça pour frapper. D'accord. Ça c'est force, ça fait pas de dégâts. Fantastique! M'amuser. Salut Strix.
Salut Rita. Wow. Damn. 10 de dégâts. Donc je rappelle les règles de la run. Ouais. On a le droit d'utiliser que les miracles et la cloche. Ou les talismans, tu sais, pour frapper comme là, tu vois. Et voilà, pas le droit aux armes, pas le droit aux objets comme d'hab. Hein. Et nous ne parlerons pas de Yorm à la pyromancie. C'est pas de ma faute si la main de pyromancie faisait 0 de dégâts. Voilà. Et what the fuck? Eh, hey, ça te dit que je te donne le tournis, mon gros. Ah. Ah. Pas cool. Je leur rate quoi. Allez. Le début de cette run. Mais quelle merde. Wouhou. De nouveaux abonnés. Ah bah c'est cool. Merci. MH Tsuda. Merci, c'était très utile ça. Putain, rien ne vaut l'astuce. Hein. Ah. Right now is not the time to talk. Quelle merde. Whoa. Je ne peux pas pousser Gunzir dans le vide, non. Oh oh. C'est pas celle-là. Pourtant, on l'avait pas vaincu au point, celui-là. Ah, mais les points, c'est plus simple. Quoique. Cette portée. Combien de HP as-tu? Combien de coups de cloche? À mourir d'un coup de cloche, mon Gundyr. Est-ce qu'on peut s'éloigner ou est-ce que... Celui-là, on est un peu trop près, là, en fait. Ça m'énerve un peu. Ça, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut lui faire un coup critique ou pas, à force de frapper avec une grosse cloche? Pas, hein.
Je veux bien. Bam. Ah. Ok. Oh putain, elle a porté. What? Je l'ai esquivé à la base. Ok, génial. Parfait. Oh. Est-ce que j'ai la foi pour Gundyr? Je ne sais pas. Ouais, vous êtes 48 sur live, merci énormément à vous d'être là. Ouais, ouais. On change de run. Non, c'est la run miracle, je vais faire des miracles. Tiens d'ailleurs. Ah, si j'oublie de prendre les fragments de titane sur le chemin, on va pas y arriver. Oh, merci pour amortir ma chute. Ah, c'est chiant. Pourquoi il te donne force quoi au début? Ça sert à rien ce sort. Fun sur 20. D'accord. Portée. En fait, il faut vraiment que je me colle à lui. À chaque fois que je veux lui mettre des coups. Mais c'est d'une tristesse. Ah mais rien que déjà pour avoir le premier miracle offensif. Ah d'accord, il a sauté. Donc rien que pour avoir le premier miracle offensif, ça va être la merde. Oh. Mehdi, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Booyah. Oh. Donc on peut le stun avec une cloche. Ça prouve que ça lui fait mal. Eh merde, raté.
Est-ce que je peux frapper? Viens! Dans ta gueule! Dans ta gueule! La cloche qui peut faire mal! What? D'où ça me touche? Je suis derrière! Putain, mais c'est hitbox quoi! Allez, touché. Putain, j'ai perdu le fil. Taste the booyah! Et le miracle est là. Oh. Leonhardt a réussi avec une pauvre cloche de merde. Incroyable. Oh putain. Ouais, on vient tous d'apprendre les combos de Gundyr pour le coup. Merci à tous et à toutes. Ouh. Classe, classe, classe. Let's go. Damn. Ah putain. Extraordinaire. GG, c'était fun, mais complètement. Mais complètement, c'était l'éclat total. Et dire que le premier miracle offensif est après Vort. Que dire de plus? Génial. Le fun, l'extase. Avant que j'oublie... Attends. Il faut aller voir l'arbre. N'oubliez pas les amis, l'arbre d'abord. Mon Dieu. Allez, let's go. Alors.
Damn. Le boss arbre. Ah, je crois que j'allais le réussir rapidement, bah même pas. Le boss arbre. Allez! Un peu de courage, nom de Dieu! Allez, le miracle de l'arbre! Le miracle de l'arbre. Plus tu le fais, moins t'y arrives, tu sais. Tu vois cette putain d'état? Ah, putain! C'est fou, salut! Envoyez-moi les invites si vous voulez participer au tournoi. Oh! Le miracle! Le miracle! Évidemment! Mais toujours, c'est toujours un coup de miracle, hein, ce genre de conneries. Ah, mais l'arbre, c'est le vrai boss. C'est énorme, quoi. Soit tu y arrives très rapidement, soit tu vas y passer, mais... Tu sais, c'est genre first try ou 200 tries plus tard. Oh, mon Dieu. Fragment d'estus. Hell yeah. Jou. Et anneau convoiteux serpent argenté. Allez, ça c'est fait. Voilà, on n'en parle plus. Boum. Allons voir notre ami. Bouya, mes frères et mes sœurs. C'est tellement ça. Renforcer la fiole. Merci. On va rester en 4-1. Believe, be careful. Vous avez des sorts de merde après tout. Je sais bien. Ok. Montez en niveau, s'il te plaît. Bien le bonsoir, Tib. Oh, putain. Alors... Je sais pas quoi augmenter. Est-ce qu'on augmente la foi directe? Faudrait quand même de la vie, hein, qu'on porte. On va faire ça. Allez, let's go. Farewell, Ashmi. Et le grand mur. Ok. Let's go. Le forgeron qui va bien se moquer de toi avec ta pauvre cloche. Mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. Excuse-moi, j'aimerais améliorer mon arme. Oui, mais tu n'as que cette cloche dans la main. Justement. Streamception. Attention, je vais utiliser un sort de soin contre toi. Oh là là, mais les dégâts sont tellement abusés. Et on va prendre la résine, même ça sert à rien. Ça pourrait toujours me servir contre un autre boss plus tard. La résine de pain électrique, hein, donc... Hop, je sais pas si je peux infuser ma cloche, je pense pas. non, c'est impossible. Ça aurait été marrant. La bonne cloche électrique. Aïe.
Ça, c'est pas cool. J'aimerais activer ce feu, s'il vous plaît. Yorm. T'es juste ce mot, tu sais que ça va être la merde. Oh, le spam R1, c'était surtout le run à la dague. Je pense que ça, vous vous en souvenez bien. C'est Walking Dead quoi le bordel. Est-ce que je pourrais pousser le mob? Je crois que je pourrais le pousser. J'ai tellement pas envie d'essayer. Je sais qu'il peut tomber dans le vide, mais bon. Oh putain, merde. Attaque-le! Oh putain, cette comédie. Attends, vas-y. Allez, le mob. Et voilà, je mets 10 ans pour lancer. Ok. Combien de temps est-ce qu'il met pour faire un sort? Parce que ça devient inquiétant en fait. Waouh! Mesdames et messieurs, c'était la force. Bordel, Anakin, qu'est-ce que t'as branlé? T'as niqué toute la force là. Merde. Oh, on peut pas annuler, tiens. C'est intéressant ça. Ah, quelle connerie. Oh. Le spam R1 V2. La version 2. Oula. Utilise la masse pour le début au moins. C'est un miracle uniquement. C'est pas que je veux pas. Oh l'enfoiré. Oh l'enfoiré. Oh, I'm alive. Fuck. Ha. Putain, je suis en vie. Eh oui. Eh oui! Rien à foutre! Je suis en vie! Je suis en vie! Ah! Ok. Oh shit! Ah. J'avoue que là je me fais pas vraiment respecter. Hop! Et merde! Ah. Ok. Bon bordel. Cette flèche de feu qui a fait peur. Ah. Ok. Il a sauté droit à la mort. Et de deux. Qui sera le troisième? Putain! Voilà, dégage! Oh, vous me faites tous chier! Regarde ma barre de vie, quoi! Le miracle a encore eu lieu! J'ai été sauvé par une caisse sainte! Oh putain! Oh my god, quoi! Salut, Lenzo! Oh, tu as raté juste un simple Gundyr à coup de R2. Parce que R1, en fait, à deux mains, c'est les miracles. Donc voilà. Juste pour le dire. Putain. Est-ce que je peux survivre jusqu'au feu de camp? Est-ce que c'est faisable de le faire? GG pour l'ascenseur. Ah non, mais franchement, c'était magnifique, quoi. Ça, c'est une action type clip, quoi. Type, voilà, vous pouvez faire un clip là-dessus, y'a pas de problème. Hein. Hop.
C'est le miracle, c'est le miracle. Ah, et je rappelle que grâce à vous, grâce à tous ceux qui se sont abonnés du coup à la chaîne Twitch, grâce à vous, je peux avoir donc du coup des emotes. Et l'emote est toujours en état de validation. Voilà, c'est juste pour vous rappeler ça, juste pour vous le dire. Donc l'emote est toujours en validation, mais bientôt Patrick Vult sera né en emote Twitch. Et vous pourrez vous amuser avec comme bon vous semble. Mais bon, ça fait presque une semaine, c'est toujours en état de validation, donc... Voilà, voilà. Merci. Il y a deux clips à faire. Petite bannière. Pas plus. Parfait. Ok, let's go. Ah, je ne vois pas pourquoi l'emote serait sous copyright, hein, honnêtement. Mais s'il y en a des copyrights sur les emotes, il y en a. C'est-à-dire que si par exemple, je sais pas, tu mets un Bob l'éponge, bah voilà, là tu vas te faire niquer, quoi. Bien le bonsoir, God of Spoil. Quelque chose cloche dans ta run. Non mais, oh putain, votre niveau de blague. C'est fou. Ah ouais, non mais la sainte caisse miraculeuse, quoi. Non mais moi, à la base, je ne fais que distribuer des flyers, hein. Si tu veux pas rejoindre, tu rejoins pas, hein, voilà. Même pas un petit cheer. Oh, huit de dégâts. Le fun. Oh putain, quoi. Ok. À quel moment est-ce que je peux utiliser mon miracle ? Ok, super. This is gonna be good. C'est la merde. D'accord. Putain. Oh, je vais jamais réussir à le battre. Alors on va boire ça. Voilà. Et après il faut utiliser les soins. Ah.
Allez. Quelle merde! Voilà. Oh, mais comment tu veux que je le batte comme ça? Eh, il bouge plus. Ça y est, il a bugué. Ah non. J'aurais aimé. La hitbox de son arme, parfois, c'est un peu la merde. Salut Nathan! Quel bonsoir à ceux que je n'ai pas vu! Ah oui, il a failli me tuer. Mais oui. Mais oui. One shot. Oh bah tiens. Il faut qu'on aille chercher une fiole d'estus supplémentaire. On aille chercher 2-3 petits trucs. Et peut-être qu'on améliore notre cloche. Je pense qu'on va faire ça. Bien joué. Bon, on est arrivé jusqu'en phase 2 pour un premier try, c'est pas trop mal. Allez, on va aller chercher ça. Apprends à compter avec Ravi, 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus... Ça fait beaucoup de dégâts, voilà. J'en somme à beaucoup. Là, on va se soigner en toute impunité. Ok, ok. La braise qui fait du bien. Je ne sais plus où est la sortie. Par là. Alors, j'étais sur le bon chemin.
Faudrait que je retourne... Attends. Est-ce que j'ai récupéré tout ce que je voulais ici? Je crois que oui. Par contre, il me faudrait des âmes, en fait. Corbin. Comment je joue littéralement avec eux? On va faire le retour. On va faire le retour, parce que là... Quelques âmes de corps abandonnées, ça peut peut-être suffire. Ne faites pas gaffe à cette flèche plantée judicieusement entre mes deux sourcils. Ah, putain. Let's go. Alors Ray6, je suis pas sûr, mais je crois que tu as rentabilisé Dark Souls 3. Alors oui, effectivement, après plus de 700 heures de jeu, je pense que ça va. Je crois que, voilà, il valait son prix de 60 balles, quoi. Oh, putain. Damn. Alors, je sais pas trop de quoi ça parle sur le chat, là. Vous êtes... Il y a certains qui sont un peu en feu. Ce qui est privé reste en privé, les gars. Hein, donc, voilà. Voilà. Renforcé. Ouais. On va se prendre que des fioles d'estus classiques. J'aurais bien aimé renforcer mon arme pour, tu sais, qu'elle fasse des dégâts, quoi. Des vrais dégâts. Peut-être faire ça, en utilisant peut-être quelques âmes. Non, je sais combien il m'en faut pour monter en... Il faudrait que j'améliore ma cloche. Ça devrait déjà être pas mal. Voilà. Alors, on est déjà mieux. Déjà un peu mieux. Alors du coup, j'imagine... Ça me paraît ultra évident. Voilà, que je ne peux pas buff la cloche. Ça, oui, ça je le savais. C'était juste un moyen un peu débile de le montrer. Ok. Bien, nous allons retenter, du coup, Vort, jusqu'à son anéantissement le plus total et le plus absolu. Aïe, aïe. Vous êtes 57 sur live, merci énormément à vous d'être là, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous inscrire pour le tournoi Dark Souls 3, il y a Dark Souls Remaster à gagner, c'est quand même pas rien. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a pas mal de participants, hein. Franchement, ça fait plaisir. Après, est-ce que vous serez tous là, effectivement, le 5 mai, jour du tournoi? Cela reste encore à voir. Moi, je dis toujours, il faut se garder... 3-4 places de plus pour ceux qui seront malheureusement pas là parce qu'ils ont oublié ou parce qu'ils ont un imprévu. Un imprévu, je peux comprendre, hein, ça, mais complètement. Et comme je l'avais déjà dit, ça m'est... Ouais, putain. Oh, putain, les saintes caisses encore. Donc les imprévus, ça arrive, ça, y a pas de souci. Mais une fois, il y avait quelqu'un qui était pas venu au tournoi. Je lui avais envoyé plusieurs messages, hein, parce qu'en général je spam pas mal si je te vois pas connecté en avance. Et pendant le tournoi, j'avais envoyé des messages. Et en fait, cette personne ne m'a jamais répondu, m'a complètement snobé, quoi. Un petit peu écœuré pour le coup. Un peu écœuré.
Let's go! What? Ah ouais, alors ça, d'accord. Ça, j'adore. Bon, nous faisons 10 de dégâts, hein. C'est merveilleux, c'est fabuleux. Putain, échappée belle celle-là. Ok. Ouh. Sunny Delight. Putain. Vivement que je débloque le premier sort, putain. Kanji! Merci beaucoup à toi, Kanji, pour le don. Oh là 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 là. Trop concentré sur la donation. Merci énormément à toi, Kanji. Merci beaucoup. Ça me fait super plaisir. Oh là là. Ah, j'étais à fond là. Merci beaucoup, Kanji, merci énormément. Toujours un nouveau moyen, tu sais, de faire le jeu. Bon. Putain! Oh, je l'ai vu sauter au même moment, j'ai fait mon truc, j'étais là. Ouais, c'est pas bon ça. Bon allez, Vort, ça va être très long, mais ça peut bien se passer. Mais si j'arrive à... Mais... Si lui, là, il est pas autant acharné à essayer de me tuer, bah ça pourrait peut-être bien se passer aussi, hein? Voilà! Ah, il faut s'entraîner pour le tournoi PVP, il faut vous entraîner. Oh mon dieu, mais ce monstre, ce mob, quoi. Ce mob va nous poser quelques soucis. Viens pas. Si, viens. Et voilà. Allez, bye bye, ciao. D'où l'utilité de pas se renvoyer l'ascenseur, hein. Tu vois un témoin de Jéhovah qui passe devant toi tous les quarts d'heure. Oh putain. Tu peux comprendre l'énervement, quoi. Je veux dire, à un moment, voilà. Ah, je suis désolé, Ressix. T'as pas choisi le bon. T'as pas misé sur le bon cheval. Ah là là. J'ai toujours pas fini ma run principale que toi tu en recommences. Bah la run à la dague uniquement, il nous a fallu deux grosses soirées hein, pour terminer la run. J'étais assez satisfait d'ailleurs. Non mais là de toute façon une fois qu'on l'aura vaincu, la run pourra véritablement commencer. Là pour l'instant c'est de la pure connerie ça. Ça c'est de la connerie.
Bam. Ah putain! Oh mais si j'arrive à le vaincre lui, mais... Mais what the fuck, ça me touche! Arrête, quoi, forte! Oh là 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 là. Putain de chaud à éviter. Oh, faut être au taquet en fait sur les réflexes. Oh. Kido, mais c'est que j'ai plus de vie encore. Oh, il faut vraiment être au taquet sur les réflexes quand il fait ça. Ah! Oh non! Je vois rien!
What? Standard du slibar. Pourquoi j'ai fait ça? Il met 10 ans à lancer un miracle. Salut, moi je suis le curé et je sais pas faire de miracle. Il met 10 ans à lancer un miracle, putain. C'est incroyable quoi, t'as vu le temps qu'il met pour se soigner? Oh putain. Infernal, tu vois. T'as même pas le temps en phase 2 entre deux attaques de pouvoir te soigner avec le miracle. C'est con parce que j'avais pas mal de... Tu vois, je pense que ça pouvait passer peut-être.